Normalement, c'est le premier rang, mais là, aujourd'hui, spécialement, c'est pas le premier rang. Ah, ouais, c'est... Je t'ai épargné. C'est deuxième, troisième rang. Là. Contre-pied. Contre-pied, contre-sens. Non, 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 j'ai une information juste avant. Il y a la meuf qui travaille ici, m'a dit il y a des gens de la SNCF. Elle m'a dit quoi ça? Elle m'a dit il y a des fils de pute. J'ai vu quoi? Des contrôleurs, excuse-moi, j'ai fait un lapsus. Et ça, où les contrôleurs de la SNCF? Attendez, j'ai un message pour vous, vraiment, ça fait plaisir, soyez là, mais niquez vos mères. Non. On veut partir en vacances, vous partez en grève, c'est quoi le truc? On va vous niquer. Ah, ça va partir en bagarre, ça va partir. Allez, contrôleur, je peux pas. Pourquoi vous attendez qu'on s'endorme pour venir? Titre de transport, pourquoi? Contrôler dès le début. T'as un mec, il te prend ton pass sanitaire, il te scanne ton code, il te recontrôle un deuxième coup. Vous êtes dangereux. C'est quoi, c'est quelle ligne vous faites? Salazar. C'est quoi? C'est que des... Wow, c'est dur, hein. Vous êtes quoi? Vous êtes les contrôleurs, les nouveaux, là, qui mettent la... Tac, quand ils rentrent... Ils ont cru que c'était des Avengers, quoi. Ils ont raté le concours pour être flic. Service RATP. Police SNCF. Ils ont un pistolet en plastique. Des interpellations que des clandos, comme ça. Ça va, ça se... Ah, moi, ça me régale. C'est la brigade, je te jure, j'ai vu la pub à la télé, regardez-moi cette pub. Les mecs, ils rentrent, c'est vous, ça, la fameuse... Ils arrivent, ils rentrent, genre, c'est des contrôleurs en civil, ils rentrent comme ça. Tac! C'est mon plus beau fou rire 2021. Cette pub, si rentrez chez vous, vous regardez cette pub. Donc vous faites tout ça, c'est qui vous a ramené? C'est vous, madame? Et vous faites quoi? Vous aussi, vous contrôlez des gens? Et ça va, ça se passe bien? Pour nous, oui. Pour vous, oui. Vous avez des primes, c'est plus vous attrapez des gens ou pas? C'est pour ça qu'on est là. Ah, c'est pour ça, vous êtes là. Tu le sens, gros raciste, lui. Je travaille avec des noirs, je suis obligé, mais moi, je suis là pour la prime. Et lui, il surnomme Jean-Marie Le Pen. La Robin m'a dit, oui, c'est vrai, il est raciste. Il y en a dans toutes les équipes. Ça se passe bien. Hein? Et ils vous calculent pas, mais le jour de l'Aïd, ils sont où les gâteaux? C'est lui ou pas? Ça va, Renaud, tu vas bien? Ça va? Wallah, tu es une traître. Hein? C'est quoi ton prénom? Sarah. Bon. Non, cousine, on dirait une manifestation. Non, osso. Ça veut dire sort de prison en Afrique du Sud. Elle a menti. On dirait les petits que t'attrapes. Quand tu demandes nom, prénom, ils donnent un faux nom. Tu t'appelles comment? Soraya. Non, ton vrai nom. No osso. Qui a déjà voyagé en first? La first, moi je connaissais pas. Et la first, c'est au-dessus de la business. Non, il y a. Non, il y a Saman. Non. Nono, tu mens. C'est pas avec ton petit salaire de contrôleuse. Et les... Mais ouais, la. Frère, la first de Côte d'Ivoire, c'est comme si tu prenais l'erreur B. Tu voyages comme ça. C'est le seul vol où il y a des contrôleurs. Bonjour. Vous avez votre billet.
Je vais raconter que vous êtes là, les contrôleurs, je vous fais un kiff. Ce n'est pas dans mon spectacle. Je prenais la ligne 2, je vous jure, c'est une histoire vraie que, je, que j'ai vécue. Non, vraiment. Moi, la RATP, mais c'est un peu. Non, c'est pas pareil. Mais. Eh ben, je la raconte pas. Niquez vos mères, c'était un kiff. T'as ouvert ta bouche de contrôleuse de scène avec tes lunettes, tu vois rien. Qu'est-ce qu'il y a? On veut l'entendre. Non, mais c'est à cause de cette connasse. Elle a cru qu'elle était dans la rame pour Versailles. Hé, hey, t'es cow-boy dans ta rame pour Versailles. Ici, t'es personne ici. C'est moi le shérif. T'as compris? C'est bon? C'est quoi ton prénom? Hanan, ferme ta putain de gueule. Hanan. Mon spectacle, les amis, voilà, personne ne bouge. Je prends le train, pas le train, le métro. Parce que j'ai dit le train, parce que tu sais, au moment qu'elle arrive à Barbès, tu sais, il sort. Il monte. Tu crois qu'il y a une vibe. Je vous jure, je suis dans la ligne 2, je suis assis dans la ligne 2, c'est mes débuts à Paris, je suis assis comme ça. Blindé, t'es la ligne 2, c'est la jungle. Hein. Je rentre comme ça, la porte s'ouvre, il y a une ivoirienne qui rentre, je te jure. Je suis reconnu. J'ai haut-parlé. Vous ne parlez pas. Ça crie. Non, ça crie. Elle est rentrée, non, elle est rentrée comme ça, normal. Là, elle regarde, elle balaye, regard de contrôleur. Balayage. Et là, elle voit une cousine à elle. Une autre cousine à elle, elle a vu. Ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas vu. Ça se voit dans le regard. Elle la voit, ça fait 15 ans qu'elle n'a pas vu. Est-ce qu'on essaie du pays? Là, elle la retrouve à Paris, dans le métro. J'imagine l'émotion. Elle, je te jure, elle la voit. Elle s'est m'a crié, je te jure, métro comme ça, réel. Moi, je suis assis, elle crève. Mama Jacquito! Mama! Mama Jacquito! 3 minutes de Mama Jacquito! 7 arrêts de Mama Jacquito! Nous, on est choqués, on regarde. Elle la prend, elle la serre dans les bras, elle les larmes qui coulent, elle s'arrête. Elle fait « Émotion !» Elle a crié son émotion. Ça parle plus. « Émotion !» Je sais pas, elle a trop traîné Château Rouge avec les Congolais. Moi, j'étais choqué, je disais, est-ce que quand elle est avec son fils et qu'elle lui met des coups de ceinture, elle s'arrête pour faire « Punition !» Et tu pars en délire, tu dis avec son mari, ça « Punition !» Non, vous êtes dangereux, les Ivoiriens. Vous êtes dangereux. Tu sais, j'ai fait la forêt de Banco. Oui. Tu connais? Il y a, dans le centre-ville, il y a une forêt. Je marche, là, il y a un serpent qui tombe. Tu sais, serpent venimeux, vénéneux, je sais plus comment on dit. Vénéneux, c'est les champignons, venimeux, c'est les serpents. Et il sort comme ça, tac. Il sort et me dit, si je te croque, tu vas mourir. Parle en ivoirien. Je le regarde comme ça. Je lui mets un billet de 50 euros dans la bouche. Il me dit, je rigole. J'aime tout le monde. Moi, je suis international. Je n'ai pas de... Tout le monde, sauf... C'est là, non, mais Michael. Michael, on l'aime, ce beau raciste là-bas. Michael, je sais pas comment il s'est retrouvé ici, Michael. C'est pas François qui a dit ça. Ouais, Pascal, ça se voit. Pascal, il parle pas, il frappe. Ouais. Haïti. Ben oui, ils ont mis ensemble par rapport à la sorcellerie. Haïti et le Maroc. Vous, c'est le sort et c'est vaudou. On est dans la même équipe. Ben oui, c'est pourquoi il est chauve. Parce qu'il sait ce qu'il faut avec les cheveux. Frérot, tu es chauve, on dirait un malteseur. J'ai envie de lui croquer le crâne, je te jure. Mais tout à l'heure, je joue, j'ai faim, je te jure. Pascal le malteseur. Ça, il est foutu. Vous avez deux nouveaux noms.
Michael le raciste. C'est Maltès. Il y a un autre spectacle derrière. Il y a... Quelle heure il est? T'abuses quoi, cousine? Tu veux rire 3 heures, cousine? Tu rentres dans un wagon, tu as fini le contrôle, tu vas dans notre wagon. Tu refais pas encore le wagon, encore les titres de train. Allez, Malteser, fais-toi plaisir. Ça se voit, ce bâtard, il est contrôleur et stripteaseur le soir. Je m'appelle Malti. Marie et Michael? J'ai pas compris. Comment? Mariée? Non, elle est partie. Ah, putain, elle a niqué l'ambiance. Là, nous regarde de là-haut. Je peux pas faire de blague. Là, c'est. Il a enculé l'ambiance. Elle est décédée. Mais c'est pas grave, c'est moi qui l'ai tué. L'étrangleur de Champigny. Eh, madame, vous avez passé un bon moment. Hein. Ça te coûte, madame, vous n'avez pas payé la place. Hein. Elle va rester pour le deuxième. Elle va rester pour le deuxième. Je ne sais pas si elle va rigoler autant, mais madame, c'est Netflix. Elle a... Il rigole, non, mais ça fait plaisir. Bon, on va essayer de te trouver une femme en vie pour toi, alors. C'est quoi tes critères, Michael? Vivante.